trouvé vachement intéressante cette exposition parce qu'il y a de vieilles pièces qui rappellent les moments forts du sport depuis sa création. Et en même temps, ils ont mélangé ça avec des choses modernes comme des vidéos par exemple, ou encore des vidéos VR ou une animation où on se bat contre une personne virtuelle. Donc j'ai trouvé ça intéressant, le mélange des deux, et je pense que ça résume assez bien le musée du sport en fait. Ça me questionnait en fait le sujet autour du corps et sportif, et on a découvert des trucs, donc c'est intéressant. Le coup du dessin du cycliste, le avant le départ du Tour de France et le après, je ne sais pas si aujourd'hui ils sont autant marqués, mais en tout cas c'est assez impressionnant. Puis à travers les différents sports là-bas, les différents corps des athlètes selon les sports pratiqués, je trouve que c'est assez impressionnant et parlant, les différences de corps. C'est fantastique, on découvre vraiment le corps dans toute sa splendeur. C'est l'évolution du corps selon les divers sports qui étaient pratiqués, c'est très intéressant. Ça nous fait poser des questions sur nous-mêmes. Bien sûr, ça apprend des choses qu'on pensait savoir, mais on sait toujours un petit peu, mais pas assez. Donc ce genre d'exposition, c'est fantastique pour ça, surtout que c'est illustré, donc on peut vraiment plonger dans le sujet. C'est une exposition très intéressante, ça explore énormément les capacités sportif de chacun, surtout le mental. La partie finale de l'exposition est très intéressante parce que c'est axé sur le mental qui va forcément avec le résultat du corps physique. Donc très intéressant. Je ne pensais pas que la culture du physique était si ancienne. Ah oui, le sport que je pratique, c'est visiter les expositions. Alors ce genre de sport, visiter les expos, ça fait travailler le cerveau et les émotions. Je pratique de la natation et de la course à pied. La concentration, et le fait de dépasser ses limites grâce au travail du mental.